Picasso. Ralouf Gangsta. Mais mec, ils sont 30 sur moi, wesh. Tu veux des heals? Bah elle est pas dans le système Redstone, les gars. Heal, tu peux pas manger. Si tu veux drop, hein, check nos stuff, check le sien, prends le temps de 2v1. Ah, si on le drop, mec. Ah oh, oui, celui qui a space. Oh, il a bot space, bot space, ils sont là. J'ai eu bot space, j'ai eu bot space. Et lui, il a space, il a space, blade. On se reprend pour une intro très rapide comme d'habitude. Je vais vous dire probablement que les séquences que vous allez voir sont très vieilles. Pourquoi des vieilles séquences? Ben c'est pas compliqué. En gros, je suis revenu sur SkateWP environ 5 jours parce que comme vous savez, j'ai livré depuis un moment déjà. Mais en gros, ben je comptais revenir pour jouer vraiment parce qu'il n'y a aucun serveur qui me plaît en ce moment. Mais en 5 jours, j'ai déjà pas mal de refait le tour de skill en fait. Le skill, sincèrement, ça m'intéresse plus. Donc je vais pas vous expliquer comment ni pourquoi en fait. Mais je veux dire, genre, les arènes, c'est redondant. Il y a des nouveaux systèmes avec les jerrycans et tout ça. Vous savez si vous jouez à skill, mais juste, c'est déjà chiant en fait. Je peux être méchant avec le serveur, mais j'ai déjà fait le tour plusieurs fois. C'est pas la première version que je joue sur Skill. Et donc, bref, puisque j'ai rien upload, parce que je vais jouer aucun vraiment serveur, je peux jouer à CSGO, à Pixel, etc. en attendant qu'un nouveau serveur ouvre, comme par exemple Alcazia, Kofak, etc. des bons serveurs PVP faction, quoi. Mais justement, en attendant que le serveur va ouvrir, ben je vais upload des vieilles séquences Skill PVP, donc celle-là, par exemple, c'est une vieille séquence. Bref, elle reste très amusante, j'ai pas menti dans le titre non plus. En gros, ben je vous explique très rapidement la vidéo, il y avait 8 mecs à mon FOM, la plupart étaient full Sénat, c'est une grosse faction qui ont décidé de toutes nous assurer en même temps. Puis j'ai réussi à trapper un mec bot space, space blade, etc. Donc bref, je vais vous laisser avec la séquence un petit peu après. Juste avant, comme d'hab, ben je fais un concours, donc je vais faire deux lots. En fait, probablement, le premier lot, ça va faire gagner un space, et le deuxième lot, ça va être gagner 16 Reapers. Donc comme d'habitude, pour participer, c'est pas très compliqué, faut prendre liker, s'abonner et ensuite commenter avec vos pseudos. Et dans la prochaine vidéo sur Skill, ben, je vais faire gagner tout ça. Mini pub, en gros, ça va durer vraiment 20 secondes, mais je viens toujours de créer mon Twitter. Ça faisait limite un an que j'avais des amis RL ou des gens juste in-game qui me disaient « Mais il faudrait que tu crées un Twitter pour ta chaîne et tout, tu commences à venir sur Twitter. » Puis en gros, ben, justement, je viens toujours de créer, donc si vous intéresse de me follow, je vais pub mes vidéos, puis une fois de temps en temps parler avec des gens, etc. Ben, il est dans la description, sinon, ben, c'est KidCatBen, hein, pas très compliqué, c'est mon pseudo. Et ensuite, juste avant de vous laisser avec la vidéo de base, ben, je vais vous laisser avec une présentation de serveur. Vous l'avez peut-être déjà vu, c'est Erosia, puis en gros, une présentation de serveur comme on perd pas les bonnes habitudes hein, pour faire plus d'argent, plus YouTube money, etc. Clin d'œil. Hein. Bref, je vous laisse avec Erosia, j'ai rien d'autre à vous dire pour cette intro là, elle était un petit peu longue, désolé, mais prochaine vidéo très rapidement. Désolé, je suis pas très très actif à 100% parce que les cours ça me prend beaucoup de temps, mais inquiétez-vous pas, je vais essayer de sortir le plus de vidéos possible sur ce qui est le PP justement, parce qu'il y a aucun autre serveur qui m'intéresse pour le moment. C'est KidCat, je vous laisse avec la présentation d'Erosia. Ciao ciao! Ouais les mecs, donc juste avant de prendre le serveur Erosia, en gros ben ils m'ont contacté, comme j'ai dit dans l'intro, j'ai été rémunéré, etc. Mais juste avant de vous montrer leur trailer, c'est pas compliqué, je vous dis deux trois trucs. Premièrement, ils font gagner le grade dieu, donc le meilleur grade du serveur, justement ils font gagner. Donc c'est pas compliqué, si vous voulez participer au concours, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, et en commentaire vous écrivez Erosia, deux petits points, vos pseudos. Le grade dieu c'est ben le meilleur grade pour toute une saison, donc go participer à mort si vous comptez jouer sur le serveur. Et ensuite, deuxième chose, peu importe votre nombre d'abonnés, si vous réuploadez le trailer, il sera dans la description, ben vous pouvez gagner des points boutique à l'ouverture. Donc bref, je vous laisse avec le trailer, puis après ça je vous reprends pour la présentation. Donc les mecs, c'est pas très compliqué. La plupart des ajouts sont un petit peu sous tous les erreurs sans vouloir être méchant avec eux. Bref, juste ça par exemple, c'est les nouvelles armures. Il y a un mob dans le spawn, d'accord, je vais pas le faire péter. Mais en gros, il y a les nouvelles armures et les nouveaux minerais, comme sur tous les serveurs, quoi. C'est pas compliqué. Ensuite, le Nexus, c'est pas compliqué. Ça va pas être un end portal, ça va être un autre objet qui va perdre des points de vie. Et en gros, tu vas réussir quand tu vas réussir à le piller, genre tu vas avoir ce bloc là, tu vas le poser dans ta base. Et qu'est-ce que ça te donne? C'est qu'à chaque jour, tu auras une clé aléatoire par jour, donc les clés du serveur pour ouvrir des box. Mais le malus, c'est qui? Si une faction t'attaque puis il réussit à casser ce bloc là, ben en fait tous les membres de la faction vont perdre moins 2 de power. Donc exemple vous êtes 15 en faction, ben votre faction va perdre 30 de power parce que chaque joueur perd 2 power quoi. Fait que pour se faire surclaim c'est très chaud, mais c'est quand même une clé par jour, fait que c'est très utile, mais à la fois c'est un aussi malus. Bref, vous avez compris. Ensuite il y a de la pierre en faux qui est anti-piston, il y a de l'obsidienne en faux qui prend 16 coups de TNT, il y a des blocs X-ray, ben pas compliqué pour voir les bases. Et ensuite il y a un sceptre de creeper, donc c'est comme des œufs de creeper, mais là ben c'est un sceptre quoi. Ensuite on enchaîne avec les outils. Bon, les mecs, pas besoin de présenter ça. Il y a les 5 minerais, donc 5 outils différents. Ensuite, ici, ça c'est super utile. C'est comme un petit peu les joints sur Skill PVP. Il y a un paquet de bouffes différentes qui donnent de la force, des ast, etc. Par exemple, à place d'avoir 8 potions de Raise Fire, ben, tu prends 8 patates Raise Fire. Ça se stack en fait dans l'inventaire. Ensuite, ici, il y a une farm tune qui va plus vite pour farmer les pastèques qui se trouvent. Ben, en plus, ça les duplique. La Battle Axe, c'est plus de dégâts. Bâton de Heal, ben, c'est comme un stick de heal sur Palladium. Multitool, ben, ça, c'est tous les outils en même temps. Écaillite, j'ai oublié c'est quoi. Non, c'est bon, c'est une écaille en fait. Donc,
les écailles, ça se met dans un event, puis ça, c'est pour craft des items légendaires. Ensuite, ici, c'est simple, des échelles pour monter plus vite et des coffres. Des coffres avec l'oxium, si je me souviens bien. Donc, en gros, c'est un double coffre, un seul coffre, quoi. Ici, les events, ben, cottage et totem, vous connaissez déjà. Ensuite, le château, c'est l'event juste ici. En gros, je vous laisse lire si vous voulez faire pause à la vidéo. Mais c'est juste un event château, quoi. Faut juste capturer un château et le contrôler. Puis, ben, on gagne certains items en le contrôlant. Puis ensuite, donc, c'est un cœur de dragon. En gros, encore une fois, je vous laisse le lire. Mais il y a un village, faut casser l'œuf de dragon et le dragon loue des écailles de dragon, que je t'ai montré un petit peu avant. Et les écailles de dragon, c'est juste là, ça va être pour crafter des items légendaires. Donc, les écailles de dragon, c'est vrai que, ouais, voilà. Ensuite, ici, c'est pas mal toutes les commandes. Donc, par exemple, le sage job, encore une fois, je compare ça un petit peu à tous les serveurs parce qu'ils ont pris un petit peu des idées d'un petit peu partout, mais c'est ça qu'il faut faire, quoi. Il n'y a pas tous les serveurs qui sont fucking, qui ont plein de nouveautés. En gros, c'est comme les jobs sur Palladium. Quand tu as atteint le level max, je pense, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu pourras crafter certains items. Donc, les items légendaires, comme par exemple la hache de combat que j'ai montré juste là-bas. Déjà, si je lag, en fait, j'ai mon PC RAM. Bref, on peut aussi crafter la farm tune, le bloc history, etc. quand on sera level max dans certains métiers. Ensuite, le sage classement qui va être basé sur les events, sur la monnaie, les claims et le power. C'est pas compliqué, ça, c'est un classement de factions. Ensuite, le sage Nexus Reward, c'est les clés que je vous ai parlé avec le Nexus là-bas qui est l'end portal, mais qui est pas vraiment un end portal. Bref, vous avez compris. D'ailleurs, yo Dolly, hein, clin d'œil. Et bref, ensuite, il y a le sage shop et sage boutique. Les spawners, grades, etc. sont achetables in-game avec l'argent game. Donc, par exemple, les grades, le meilleur grade que je fais gagner est achetable avec l'argent game. Ensuite, sage boutique, les spawners, les kits, etc. Et sa shop, c'est pas compliqué, c'est le shop du serveur. Ben moi, j'ai déjà fait le tour du serveur, donc Erosia, c'était ça. Si vous voulez plus d'infos sur le serveur, leur Discord, leur site, etc., tout est dans la description. Putain, je suis désolé des lags, mais mon PC RAM, je l'ai déjà dit. Mais bref, je pense pas être là à l'ouverture, parce que justement, moi, je joue sur ce qui est le BP, avec ce là, de toute façon, vous le voyez. Mais bref, ça se peut que je vienne juste pour voir leur avancement et tout, parce que j'aime bien Dolly, et ben je connais le fondateur, etc. Bref, les mecs, venez sur le serveur si ça vous intéresse. Stack 4, je vous laisse avec la vraie vidéo de base. Ciao, ciao, les jeunes. Neuf, on se fait ça. Halouf gangsta. C'est bon, il y a déjà drop, il faut le sinage et PMT et P space, qu'est-ce qu'il veut? Je vais prendre mon full space, j'arrive. Faudrait hyper. On est déjà, il y a ça pendant qu'on est là, ils sont cons. T'es 4, c'est toi, je vais chercher mon full space. D'accord, t'inquiète, bah ils sont 8, mais ils sont full sinage, je prends même pas un coup. Bah vas-y, attends. Oh mec, ils sont un peu beaucoup. Bah ouais, cache-toi au pire. Ouais, on se cache-toi. Attends, déjà, j'ai pas force. Attends, en plus, j'avais même pas force, attends, je bouffe mon joint. Les gars, c'est grave, c'est tout seul là, enfin Wendy en PLS. C'est bon. Ah, fais gaffe, gros, alors pop. Mais pourquoi vous êtes tous partis? Bah, moi je suis en. Attends, mais mec, ils sont 30 sur moi, wesh. Tu veux des heals? Bah, elle est pas dans le système redstone, les gars. Bah, quel système redstone? Ils font attends, péter. Putain, ils. Ah, oh, ils sont dans un truc en opsi. Ils sont dans un truc en opsi. Mais mec, c'est ils même pas. Rentrer. Wendy, ils sont... vont trouver les coffres. Wendy, ils vont trouver les coffres. J'arrive. Ils les ont trouvés. Ma manie, c'est parce qu'elle me fait genre but. Il a des coffres. Oh, il prend flash à la bite. Ah, bon, on le défonce. Attends, je défonce. On défonce. Kid, ils ont trouvé les coffres, oui, de la magie. Je suis moi, sur le problème, c'est qu'ils sont 8, moi, pas. Moi, je suis contre le bot, mais c'est. Non, le bot space, non. J'avais même pas vu qu'il y avait un bot space en fait. Avec croix de nez. En vrai, c'est tout de la ghetto en fait. Toute leur clique, sa merde. Sauf qu'ils sont un peu S là. Coordonnées, je suis en train de déglinguer. Je me suis pas aidé, c'est triple heal là. Bon, on a 30% de moins, hein, je te signale. C'est vrai. Full space. Moi, ils ont bouffé des pommes cheat et tout, moi. Ah, j'ai même pas de pommes cheat, moi. Moi, j'ai plus de perles là. Plus de pommes cheat. C'est lui qui va drop, hein, check nos stuff, check le sien, il prend le temps de 20. Ah, si on le drop, mec. Ah, 38%, ouais. Il doit attendre que ses perles se rechargent en fait. Ouais. Il y a pas un joueur en cheat, mais fais le broke, il faut. Je pense qu'on va devoir le faire broke. Ouais. Et si on fait péter toutes les coffres en bas, ouais. Non, pas tout. Bah, il commence à déménager de suite. Bah, il faut pas que tout en fait ouvre, mais j'en fais un chemin unique pour qu'ils puissent pas rentrer. J'en fais un chemin tout en pierre de métier pour pas que tu puisses rentrer. Ouais. Genre jusqu'à l'intérieur de la farm, il faut que tu fasses des allers-retours. Ou sinon, c'est un home dispo, mais on est directement dans la farm, mais je pense pas que t'as un home. Non, j'ai pas. Oh! Ah non, j'ai. Il fait péter un creeper, il est cool. Bah oui, il spam perle puis il fait péter justement parce que sinon il est bloqué. What, il est revenu? Oh, mais il est là. T'as creusé, non? Je sais pas. Il est là. Ça freeze, what the fuck. Attends, je creuse puis je vais essayer de reboucher en sa tête. C'est bon, rebouche un peu, je pense. Ça m'en sert reboucher un peu, mais pas tout. Occupe-toi de faire, ouais, rebouche. Putain, mais ça lag. Rebouche, je sais pas. Il crache. Je peux pas poser de titre. T'as plus, t'inquiète, je m'en occupe. Il décide. Attends, on est quelle couche déjà? 31. Mais ça lag ou c'est moi? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est. Mais est-ce que j'ai des gros frites? J'étais à 3000 MS à 10. Non, ça lag. Non, d'accord. Genre, je pense à. C'est toi qui l'accepte, toi. Casse-toi, bouge de la full perte.
Passe pas là si tu la gardes. Les fous meurent pas, gros. Bon, c'est un stuff. Ah ouais, mais full space quoi. Ouais, mais c'est Minecraft. Bon, faut. Ouais, mais quand même. T'inquiète. Ah, il y a TP. Slash TP à qui gâte. Ils sont bien plus que nous, mec. Bah ouais. J'en ai drop un. Mais faut le Senna quoi. Ah, y'a tous son seul rentré, bon, pas grave. Ah, y'a un casque là. Ils sont encore 3 là. Je reviens, les gars. Ok. Ils ont un autre de drop, un autre de. C'est ouais, des full Senna encore. Ouais, mais bon. On continue, ils ont tous bon. Là, je vais baisser ma rando de distance, tu me le dis s'il me tape. Si on le drop, j'adore. Option, paramètres de jeu, non, paramètres. Flash TPA. Will. Ouais, j'ai mis un rando de son plus haut. C'est là, son bot, ça, il va grand TPA. Will TP. Attends, TP au moins, TP à moi. Il y a drop bot avec Steph et Mythic. Il s'est slash lucide, il s'est slash lucide. J'ai eu le plastron, je suis plastron. Non, j'ai eu 9 creepers, j'ai pas eu les bots. Attends, mais son pote. Mec, il prend les dégâts là. Focus, y'en a un qui spam perd, il était deux, y'en a un qui spam perd. Oui, focus, allez, celui qui spam perd, je m'occupe du gars qui est là. Mais il a les bots space, celui qui a le cap à faire, il a les bots space. Hein. Mais j'tends. Moi, je m'occupe du seul qui reste. Ok, je l'ai. Y'en a un de mort. Il y a. Nice. Y'en a deux, y'en reste deux. Celui qui a des bots diamants, c'est pas lui qui a les bots space, hein, ils auraient déjà mis, je pense. Je m'occupe celui qui a les bots diamants. Oh, oui, celui qui a space. Oh, il a bots space, ils sont là. J'ai eu bots space. Et lui, il y a space blade, les gars. Laisse-le. Allez, go. Oh, j'adore ce jeu, mec. Il a RTP. C'est bon, il est mort. Il a RTP, personne. Il y a un mec, je récup. Ok, c'est bon, il est là. C'est coordonné Malstaff. Il récup son épée space. Il a son épée space. Il a plus pas me shit. Bah, il y a son épée. Moi, je le vois pas en fait. Attends, c'est bon, il vient d'apparaître. Il y a son épée space. Attends, moi, je l'ai vu. Il RTP son pote, il récup un temps de stage. J'ai pas eu, c'est lui qui est sorti. Essaye de récupérer le plus possible et il va RTP. Il y a encore un mec. C'est bon, je l'ai eu. Nice. Les gars, essayez de trouver genre juste les Space Blade, c'est plus important. Y'a les mecs, je sais pas si vous avez trop compris, mais en bref, on est en train de faire notre farm, justement à notre farm, puis ben la ghetto est arrivée à 8000. Sur son, on était juste stuff, on savait qu'il y avait des serons et tout, donc c'est pour ça que je me suis préparé à record. Désolé, ça fait pas trop. Pourquoi il y a un autre stuff, mais il est là, il est revenu. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, il était tombé où? Bon, bah, bref, les mecs, je vous laisse une autre séquence parce que là, on aurait que les bots space, on placeront de star. Mais comme vous avez entendu, c'est pas en temps de star, ils sont épée space. Je pense qu'il a réussi. Il y a un mec qui s'est déconnecté avec, en fait, un TP suicide. Je vais retourner voir mon record juste pour voir ce qui s'est passé. Puis, ben, bref, je vous laisse une autre séquence, les gars.